On est réunis là aujourd'hui avec le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour justement parler de nous, journalistes, parce que, comme vous le savez, nous devons tous être syndiqués et il y a souvent des violations des droits des journalistes sur le terrain et le syndicat est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous épauler. Et ce n'est pas la première fois que le syndicat vient dans nos locaux parce que justement, vous savez, lors de la restriction aussi, le syndicat était là avec nous. Cela dénote déjà de l'efficacité que le syndicat fait montre aujourd'hui sur le terrain. Alors, la campagne de vente des cartes pour les journalistes au niveau du SPPJ vient d'être lancée. Et donc, Guinée Matin est, pour ne pas dire le premier, mais parmi les premiers en tout cas, à solliciter pour que l'ensemble du personnel puisse s'en procurer pour justement permettre à chacun d'être syndiqué et de contribuer à l'évolution de cette structure qui défend les droits des journalistes. À la direction et au personnel de Guinée Matin, de nous avoir reçus dans vos locaux ce matin, une nouvelle fois. Nous sommes très familiers à Guinée Matin, là. Et l'acte de ce matin encore nous encourage, nous dit qu'il y a encore des gens au sein de la corporation qui reconnaissent le petit effort que nous fournissons pour contribuer justement à faire de la liberté de la presse une réalité chez nous. Et nous, nous le disons très souvent, c'est vrai qu'on dit que ce métier ne nourrit pas son nom, mais il y a quelque chose dans ce métier, si on le préserve, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, l'indépendance, la liberté. Et si c'est ce qu'on va nous retirer, c'est-à-dire on ne sera ni notre liberté, ni argent. Nous disons que si tous les médias faisaient comme Guinée Matin, on ne serait pas là aujourd'hui. D'abord, le fait que, en commençant par le patron, tout le monde se fait syndiquer, c'est une façon de nous encourager, dire que on vous soutient. Et ce soutien est vraiment un soutien très fort. Si vous le constatez, le syndicat reçoit très difficilement, pour ne pas dire ne reçoit pas, des financements. Beaucoup ne comprennent pas notre philosophie. Certains nous disent de courir de gauche à droite à la recherche des finances. C'est pas mal, mais ça risque de compromettre votre indépendance. Notre force sont ces cartes-là. Les cartes, c'est une reconnaissance pour les professionnels, mais c'est un soutien financier pour le syndicat aussi. C'est grâce à ces cartes-là que nous parvenons à mener ce petit combat qu'on est en train de mener là. Donc c'est très important. Ceux-là qui veulent que leur syndicat continue à garder l'énergie qu'il faut, à garder son indépendance, avoir toujours la force de lutter, il faut acheter les cartes. Ce sont les cartes-là qui nous ont permis de mettre des antennes à travers le pays, envoyer des missions. Donc, une fois encore, merci beaucoup à Guinée Matin. Et on n'a pas regretté de vous avoir accompagné. Et nous serons toujours là pour vous parce que il n'est pas aussi difficile d'accompagner Guinée Matin. Parce que il y a de ces anses, quand vous cherchez à les accompagner, ils font des démarches qui vous encouragent, qui vous affaiblissent. Mais dans la lutte pour Guinée Matin, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Malgré tout ce qu'on a connu, des difficultés, des choses qu'on racontait par-ci, par-là, hein, nous, Baldé, restés comme ça. Le SPPJ aussi a dit, on va tenir quel qu'en soit ce qui va arriver. C'est pourquoi on avait gagné. C'est ce qui a abouti à la victoire. Et à Guinée Matin, ça travaille beaucoup, ça se voit. Dans les colonnes, sur la page, on vous consulte très souvent. C'est une fierté. Donc, on le rappelle que Guinée Matin a acheté les cartes pour le personnel à Conakry et pour tous les correspondants. C'est une première dans l'histoire du SPPJ qu'un média achète les cartes. Il ne se limite pas à Conakry, mais jusqu'à l'intérieur du pays pour ses correspondants.
Et l'autre leçon qu'il faut tirer, c'est que justement, si Nour Baldé lui-même accompagne ces journalistes pour qu'ils se fassent syndiquer, c'est qu'il est sûr qu'il fait le minimum pour respecter leurs droits. Un patron qui ne respecte pas les droits de ses employés, il fuit le syndicat. Et on nous prend pour des ennemis dans certains médias. C'est du sérieux. Quand un patron accompagne l'achat des cartes du syndicat dans son entreprise, c'est qu'il est sérieux. Il est sûr qu'il respecte leurs droits. Parce qu'ils savent que le syndicat va demander de respecter les droits des travailleurs. Donc c'est pourquoi les patrons qui ne sont pas sérieux, là, ils nous fuient. Merci et nous demandons à tous les autres de prendre l'exemple sur Nour Baldé. Nous sommes donc très fiers de les recevoir chez nous. Et je précise que je ne suis pas là pour assister, je suis là pour participer. Je suis d'abord journaliste et ça ne va pas être ma première carte. Je l'avais sollicité bien avant et je l'avais acheté publiquement pour dire à tout le monde de soutenir le syndicat. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai essayé d'expliquer chaque fois qu'on m'a posé la question que même les difficultés qu'on a entre les médias et l'État, il serait peut-être bon de donner le leadership au syndicat, parce que nous, on a vu le syndicat sur le terrain et nous avons pensé que beaucoup ont négocié, mais c'est grâce à leur lutte que notre combat a connu l'ampleur qu'il a connue. Donc nous savons que c'est des gens très sérieux, qu'on peut faire confiance, et nous les remercions encore une fois pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils ont fait pour la presse guinéenne, parce que encore une fois ils se battent très sincèrement sur le terrain. Et merci aussi d'être venu ici ce matin. Camarades, l'OSPPG a l'honneur de vous remettre officiellement le lot de Guinée Matin et les cartes de cette année. C'est jusqu'en décembre 2025, pour 2 ans donc, 2024-2025. Merci à vous. Merci. Merci.